Bon après-midi et bienvenue pour suivre nos bulletins midi et demi pour ce mardi le 22 octobre. De nouvel après-midi, ministère de la Terre et CLACAS y joignent ensemble avec son bon partenaire pour autres recommandations le bon impact social qui en a de bon housing estate. Et des ministres civils de l'Assemblée pour répondre PNQ dirigeant l'opposition en beau matin, le 6 et l'autre l'Assomption. Le côté international, Haïti, violence s'est recommencé là-bas, dans les districts, dans la capitale, même s'il y en a en haute sécurité, la police dans sa l'endroit depuis les 3 mois passés. On nous voit bonne nouvelle en détail. Un programme est lancé, le différent plan stratégie, le façon pour autre solution, qui l'impact social y en a, le bon logement dans la communauté, avec plusieurs projets la case qui peuvent entreprendre. Ministère de la Terre, la CAS, il voit nécessité pour joindre les autres partenaires pour autres recommandations, le bon prochain pour les housing estate. Et le bon qui ne désarne en résident là-dedans, les autres pays de façon plus appropriée pour capable renforcer la bonne politique et assurer que tout résident peut vivre bien et d'une façon confortable. Ministre Billy Rangasamin dit que même s'ils ont investi l'argent dans le développement, mais aussi important qu'ils ont investi dans l'aspect social. Il est intéressant, bonne conversation que nous gagnons, parce que nous reconfirme cette concern qu'il en a, et en même temps, grande contribution. Tout ça, ça va dans différents secteurs. Moi, vraiment encouragé, parce que mon parle, mon message bon matin, moi, je me dis, on pas senti que c'est seulement un problème housing. Nous plutôt un problème social qui impacte le demand housing. Il est clair qu'il nous besoin d'autres solutions pour tout ça, ben, différents demandes pour housing. Comme le gouvernement, nous besoin de rester tout le temps engagé comme facilitateur. Mais aujourd'hui, ça qui nous sorti fort dans nos délibérations, c'est différents facteurs. Par exemple, le design lui-même qui nous fait, nous permet de mettre dans un bloc flat. On a sorti différents districts. Différentes situations sociales, familiales, etc. nous permettent de vivre ensemble. Dirigeant l'opposition dans l'Assemblée nationale, Sébastien Pilé demande un PNQ, le 6 et l'hôtel Assomption, de l'Assemblée nationale, côté des ministres, il vient répondre. Ça, il est ministre pour la Terre et la CAS, Billy Rangasamy, et ministre pour l'Agriculture, Santé, Climat et l'Environnement, Flavien Joubert. Et PNQ qui M.C. Pilé dit que Speaker a demandé en servant son prérogative dans Standing Order et l'M.C. Pilé inoulé met ça le record. PNQ M.C. Pilé a demandé que si en relation avec sa sixième assomption, le gouvernement est capable immédiatement tout bon document qu'il y a avec Annie avec sa posée. Et si le gouvernement a consulté SAIF avant sa posée y commencer, et sinon à cause. Le ministre pour la Terre et la CAS, Billy Rangasamin, confirmait que tout processus approprié n'a pas suivi pour poser écotouristique à l'hôtel aussi l'Assomption d'une façon transparente et tout bon document officiel en place et qui s'intègre sa bon document IDESA dans le domaine public. Nous prenons en compte qui s'est proposé, puis quand il fait l'asile qui pose avec Atoll Aldabra et SAIF, c'est l'organisation qui est responsable pour gestion de sa asile. Première consultation avec SAIF et les autres autorités concernées, quand il fait le 5 février pour scoping. Pendant sa meeting, le consultant présente le concept et tout le monde qui est présent est capable de gagner l'opportunité pour mettre les autres concernés devant. Représentant SAIF, Aldabra Island Manager et les autres, qui aussi présent pour un scoping visit qui fait l'asile Assomption ensemble avec l'autorité concernée le 6 février. Le 9 mars, SAIF qui aussi présent à la meeting pour public qui fait côté centre communautaire au Skyman. Département et aussi consulté SAIF, les premières versions de sa rapport qui sont soumettre avec le département. Sa bonne concernée après discuter avec le consultant pour améliorer sa rapport. SAIF qui aussi recommande un plan biosécurité plus détaillé en relation avec différentes phases de développement pour assister ça et qui même recommande la liste experte pour faire ce travail. Version amendée sa rapport, qui a ainsi qu'il est côté SAIF pour commentaires ou qui demande une extension de temps pour autres dans d'autres commentaires qui département qui donnait. Ça veut dire au lieu les 22 ziliettes, SAIF qui demandait pour lui soumettre son commentaire les 31 ziliettes. Les ministères qui recevoir sa plan biosécurité, qui aussi consulté SAIF, et ministère qui aussi prend bon point pertinent que SAIF qui met devant pour inclure
de bonnes conditions, notice of acceptance que tu gagnes donné le 3 septembre. La deuxième partie, c'est la PNQ, ministre pour l'agriculture, le changement climat et l'environnement, Fabien Joubert. Il dit que SAIF a consulté dans différents stades, sa projet. Pour les autres documents, il y a une certaine signification confidentialité privée. Il y a un processus pour suivre en bas accès pour les formations. Honorable, il est capable de faire ça en écrit, en suivant une procédure en place. Si on veut gagner ce bon document. Monsieur Speaker, laisse-moi expliquer ce bon processus en place et qui, quand ils suivent en détail. Je vais donner un petit éclaircissement, le document est honorable, capable de faire sa démarche et gagner accès à ce bon document. Pour chaque étape, pour expliquer comment ce document était, de façon qu'il soit capable de faire le nécessaire ou bien qu'il soit capable de connaître pour gagner accès à ce bon information. Le 3 juin 2023, Monsieur le Speaker, IDC lance un appel pour l'expression d'intérêt pour le développement d'un projet écotouristique, resort et hôtel, qui a aussi offert un gateway pour sa site l'héritage UNESCO à Dabra. Ça a été publié le bon journal tel que Nation, alors il est déjà dans le domaine public. Un outline planning application, qui a été soumis contre l'autorité plan le 6 décembre 2023 et qui a eu approbation en principe par l'autorité plan le 23 janvier 2024, mais avec conditions qui s'est développée, il besoin préparer et suivre processus EIA, ça veut dire Environmental Impact Assessment. Sa outline planning application, il reste un document privé entre sa développeur et l'autorité plan, parce qu'il y en a, à sa stase, il y en a une connotation confidentialité et commerciale. Mais processus application formelle pour gagner accès avec ça l'information, il besoin qu'on suive côte l'autorité plan. En vue qu'il s'est développé, il y a un étranger, il besoin suivre l'application et processus sanction. Et ça, c'est fait et approuvé par le Conseil ministre le 20 mars 2024. Application, c'est qu'on soumettre le 12 janvier 2024. L'approbation sanction, c'est sorti le 27 mars 2024 par le ministère de la Terre et de la Case. Pareil, tous les autres projets, le salon plein, et qui grand soumet par un étranger, sa processus et aussi son documentation, il restait une documentation privée, confidentielle, et encore une fois, il y a un processus pour gagner accès à l'information. Et pareil, je t'en suis, ça a été plutôt le ministre Billy Rankasami qui nous confirmait que tout processus approprié nous suivre pour poser écotouristique le saloté, le style Assomption. Et plus bonnet, le ministre Flavien Joubert, ministre pour l'agriculture, le changement climat et l'environnement, qui nous dit que SAIF a consulté dans différents stades ça a posé. Amitié pour Alain vis-à-vis Airport, il expectait qu'il y ait un petit village récréationnel avec un élément touristique et culturel. C'est le ministre pour l'investissement, l'entrepreneuriat et l'industrie de Vika Vidot qui dit ça dans toujours dans l'Assemblée nationale bon matin. Et il peut répondre à une question émanée quand on se parle de River Woodcock, le camp qui s'est posé pour commencer et qui va en développement qui prend dans sa endroit. Question demandée par membre proportionnel LDS de Yasporis dans l'absence de M. Woodcock, mais ministre peut confirmer quand ça posé pour commencer ou bien combien il peut coûter à conserver et plan pour ça poser qui dit y imposer priorité pas encore commencé. Cabinet qui approuve ça posé en mars plus bonnet ça l'année et posé et expecté commencer après qu'il possède la terre complétée en ce moment. Subdivision peut être fait par le département de la terre et nous espérons que ça va être complété avant la fin de l'année. Il est important et nécessaire qu'il serve et finit de faire pour qu'il soit capable de faire son plan d'infrastructure. Après ça, bien sûr, le gouvernement va démarrer avec sa poser l'infrastructure lui-même. En même moment, et ça, en collaboration avec SIB, il va capable lance l'expression l'intérêt pour bon business qui envie participe dans sa projet. Je suis capable un développement qui nous propose de master plan et avec bi fait ça l'endroit venir un petit village récréationnel avec un élément touristique et culturel. Une activité qui peut gagner proposer, il y a un clé restaurant,
en moyenne des kiosques mangés, un kiosque artisanal, un kiosque pour un rafraîchissement ou soit pour ice cream slash popcorn, ben quelque chose pour les enfants. Une petite galerie pour là, un open air bar, côté avant un decking, côté dimoni capable assiser, et aussi un stage pour un show culturel, faciliter shower toilette et faciliter parking. Ministre, combien ça pose pour coûter, si on avec vous, please? Pour le moment, à cause de notre propre aspect, travail servi, fini à faire, et si y a besoin de tout ça, bonne information pour être capable. Travail loin, loin. Nous arrivons à la fin de notre bulletin de la journée pour l'après-midi. Merci pour suivre. Passe un bon après-midi.